Après 2 mois de formation, les jeunes promoteurs des meilleurs projets d'investissement bénéficient d'une assistance financière. Au total, 1300 jeunes ont été formés dans le domaine de l'entrepreneuriat à travers le pays. Après cette formation, 100 jeunes ont déposé leur projet d'investissement pour avoir un financement. Parmi ces projets, 10 meilleurs ont été sélectionnés pour un financement. Et aujourd'hui, chaque promoteur d'un projet d'investissement retenu a eu une somme de 500 000 francs CFA. Ce financement est l'œuvre du conseil à la primature Mohamed Ismail Omar par l'entremise des initiatives des ambassadeurs de bonne volonté. Cette rencontre est rehaussée par la présence du secrétaire général adjoint du gouvernement, Saleh Bourma, et bien d'autres personnalités du pays. Le président du comité d'organisation a insisté sur la responsabilité des récipiendaires. Le leadership entrepreneurial nécessite une forte confiance en soi. Il est impératif pour vous, chers jeunes bénéficiaires, de montrer à nos partenaires qu'ils n'ont pas tort d'investir dans la jeunesse. Le coordonnateur des initiatives des ambassadeurs de bonne volonté a quant à lui mis l'accent sur l'importance de cette formation. Les jeunes formateurs ont reçu des informations utiles dans les domaines du leadership, d'informatique, commerce, étiquette et dans une période d'une semaine par équipe. De son côté, le conseiller à la primature, Mustapha Ismail Omar, informe que la deuxième édition des projets d'investissement sera lancée afin que d'autres jeunes y participent.